J'appelle aujourd'hui à la barre Ronald, qu'on appelait aussi Ronnie. Ronald DeFeo Jr., qu'on surnommait également Butch. C'est pratique de donner un prénom à un gosse alors que tu l'appelles par tous les surnoms sauf par le prénom d'origine. Enfin bref, Ronnie, qui est aussi le surnom de Ronaldinho, mais le joueur de foot n'a rien à voir avec cette histoire, il est l'auteur de la tuerie d'Amityville. C'est un fait divers extrêmement connu, populaire, qui a donné une tonne de déclinaisons, de livres et de films, notamment à cause des apparitions paranormales qu'il y aurait eu dans la maison depuis la tuerie. Je me suis dit que ça serait parfait pour Halloween, d'où cette petite ambiance lumineuse. Ouh. La fameuse tuerie d'Amityville a eu lieu le 13 novembre 1974. Ce soir-là, vers 18h30, Ronald, 23 ans, entre dans un bar de cette petite commune de l'état de New York, qui fait moins de 10 000 habitants. D'ailleurs, le patron de l'établissement vous raconte l'arrivée du jeune homme. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar. Ronnie vient demander de l'aide car il a retrouvé les membres de sa famille morts dans la maison. La police va arriver et elle va retrouver le cadavre du père, de la mère, de ses deux frères et de ses deux sœurs. 6 victimes au total. Pas de jaloux, tout le monde a été logé à la même enseigne. Ils ont été tués par balle avec un fusil de calibre 35. Les victimes ont été retrouvées allongées sur le ventre dans leur lit. Les parents ont été tués avec 2 balles chacun, tandis que ses frères et sœurs, une seule balle leur a suffi, notamment avec des tirs en pleine tête. Ronald était économe, ou alors il n'avait pas beaucoup de munitions de rechange. Le récit de Ronnie va rapidement être incohérent, puisqu'il a pu déclarer qu'il avait découvert le carnage en rentrant du travail, mais toutes les victimes étaient allongées dans leur lit, ce qui laisse plutôt penser qu'elles ont été tuées dans la nuit, durant leur sommeil. Et le médecin légiste viendra confirmer l'horaire probable de la mort autour de 3h du matin. Le lendemain donc, Ronald va tout avouer à la police en disant qu'il n'avait pas pu s'arrêter une fois qu'il avait commencé à tirer et qu'il avait donc tué tout le monde. La tuerie a eu lieu à 3h du matin environ, mais il ne va donner l'alerte qu'à 18h en rentrant dans ce fameux bar. Et le reste du temps, il va agir normalement. Juste après les faits, il va prendre une douche, il va se changer, il va aller jeter les preuves incriminantes et il est même allé au travail comme si de rien n'était. Fallait bien payer les factures. On peut au moins lui reconnaître que c'est pas un feignant et qu'il est motivé pour bosser. Bon, les enquêteurs vont quand même retrouver dans sa chambre une boîte pour un fusil de calibre 35 qui est identique à l'arme du crime. Donc il n'a pas non plus très bien caché toutes les preuves. Ronnie a dit à la police qu'il préférait être appelé Butch. C'est son petit surnom et donc on va au moins lui accorder ça pour la suite de notre récit. C'est vrai que Ronald, c'est pas fou comme prénom. Quand on voit ce prénom Ronald, on pense tout de suite à Ronald Reagan si vous êtes fan de politique, ou Ronald McDonald si vous êtes fan de fast-food. Mais la grande majorité des gens vont surtout penser à Ronald McDonald. Moi-même, j'y ai pensé, mais vu que j'ai eu le temps d'écrire cette vidéo et de travailler mes blagues, je passe pour quelqu'un d'intelligent. Désolé. Pensez d'ailleurs dès maintenant à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour soutenir mon travail et m'encourager à continuer. Et puis dites-moi aussi en commentaire si cette ambiance lumineuse vous plaît, parce qu'on pourra le refaire à l'occasion. Je me suis dit que ça changeait, mais je sais pas trop ce que ça va rendre finalement au montage. Donc dites-moi si ça vous plaît ou non. En tout cas, c'est peut-être pour se venger de son prénom pas folichon que lui ont donné ses parents qu'il a voulu descendre tout le monde. Une de ses sœurs s'appelait Allison, un de ses frères s'appelait Mark, donc voilà, c'est des prénoms classiques et pas trop moches. Lui, il a hérité de Ronald. Par contre, le cadet s'appelait John Matthew, donc Jean-Mathieu si on le traduit en français, et ça non plus, c'est quand même pas très sexy. Mais vu que Jean-Mathieu n'avait que 9 ans, il était encore un peu trop jeune pour décider de tuer tout le monde. Sur le papier, la famille DeFeo, c'était un peu la famille américaine classique par excellence. Ronald Senior, le père, avait une concession automobile qui marchait bien, les affaires étaient florissantes, et c'est pour ça que la famille avait décidé de s'installer sur Long Island. Long Island, c'est une région résidentielle qui attire beaucoup de personnes qui travaillent sur New York. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans une de mes dernières vidéos sur le mystérieux tueur en série de Long Island, que je vais vous mettre dans le petit i juste au-dessus, si vous n'avez pas déjà vu. Bon, après, je dis que c'est résidentiel, que c'est calme, qu'il y a des belles plages, mais en même temps, il y a des tueries et des serial killers. Faut faire un compromis. Les DeFeo se sont donc installés à Amityville, où ils ont acheté une maison au style colonial hollandais. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'était marqué dans la description des lieux, et j'aime bien faire un peu l'agent immobilier. Pour la petite anecdote, ça aurait d'ailleurs pu être un de mes choix de carrière si je n'avais pas voulu être journaliste. L'adresse, c'est le 112 Ocean Avenue, et la maison est surnommée High Hopes, parce qu'il y avait ce panneau dans la cour avec cette inscription, qu'on pourrait nous traduire en français par « Grands Espoirs ». C'est la preuve justement qu'il ne faut pas non plus être trop optimiste dans la vie parce que t'es pas à l'abri qu'un de tes fils vienne te buter. C'est terrible, hein, tu leur donnes la vie et eux vont se permettre de venir te prendre la tienne. Le rêve américain, la belle maison, l'entreprise à succès, mais malgré tout ça, Ronald Senior serait un père de famille exigeant
colérique, qui s'énervait contre son fils Butch. Mais apparemment, il ne s'énervait que contre son aîné et pas contre le reste de ses enfants. Allez savoir pourquoi. L'ado va consommer de la drogue, ses parents vont l'emmener voir un psy pour tenter de l'apaiser, mais finalement ça ne marche pas, et ils vont décider, pour éviter de se prendre la tête, de lui donner de l'argent de poche et de céder à tous ses caprices pour le calmer. Il lui aurait offert notamment une voiture et un bateau à plus de 10 000 dollars. Et malgré ses cadeaux, il va les tuer. Un enfant, c'est quand même particulièrement ingrat. Avec son argent de poche, il a aussi sûrement dû s'acheter des armes, vu qu'il faisait de la chasse. Un soir, alors qu'il y a une dispute entre son père et sa mère, il va sortir une arme à feu et il va demander à son père de se calmer en le pointant avec son flingue. D'un côté, on a des parents qui ont lâché des milliers de balles pour lui faire des cadeaux, et de l'autre, on a Butch qui va finalement dépenser que 8 balles pour les tuer avec ses frères et sœurs. Sacrément radin ce gosse. 2 balles pour le père, 2 balles pour la mère et 4 balles pour les frères et sœurs. Ça fait bien 8. Le calcul mental, qu'est-ce qui a pu expliquer un tel passage à l'acte ? On ne sera jamais sûr de rien car la parole du coupable n'était pas non plus des plus fiables. Certains vont évoquer la piste des assurances-vie que Ronnie aurait voulu toucher. Mais déjà apparemment, les derniers jours avant le drame, les relations entre Ronald Jr. et son père étaient particulièrement tendues. Il y avait notamment eu une grosse dispute. Comme je vous l'ai dit, le père avait une concession automobile du côté de Brooklyn et le père avait missionné son fils pour déposer l'argent de l'entreprise à la banque. Sauf que Butch a dit qu'il s'était fait voler l'argent sur la route, mais le père pense que son fils connaissait le soi-disant voleur et il a partagé le butin avec lui pour garder une partie de l'argent. Il n'avait pas assez d'argent de poche apparemment. Quand il est interrogé, Ronnie va aussi évoquer la piste d'un tueur à gages ou de la mafia, avant finalement d'avouer son crime. Il aurait d'abord abattu ses parents, puis ses frères, et enfin ses sœurs. Tout est allé très vite, en 15 minutes, il avait décimé l'intégralité de sa famille. Maintenant qu'il est tout seul, ça va être moins facile pour jouer à une famille en or. Dehors, leur chien va aboyer en entendant les détonations, mais apparemment ça ne va alerter personne, et Butch ne va pas non plus aller le tuer. C'est vrai que c'est ça le petit détail qui est un peu bizarre dans notre histoire, c'est que personne n'a rien entendu, ni les aboiements du chien, ni les coups de feu. Alors que normalement, il n'y a rien de pire que d'entendre le chien des voisins aboyer, et t'as envie de l'enterrer dans le jardin. Quoique si, il y a peut-être pire quand les bébés pleurent. Et là, tu aurais envie de les mettre dans le congélateur. On ne connaîtra jamais le scénario précis de la nuit, ce qui va donc donner libre cours à toutes les imaginations. Ronnie va accuser Satan en disant qu'il entendait des voix dans sa tête. Il a aussi accusé sa mère une fois en disant que c'était elle qui avait commencé la tuerie et qu'il aurait fini le travail. Ou alors, il a aussi rejeté la faute sur Dawn, qui est sa cadette, et qui aurait tué son père après une dispute, avant de décider de tuer les témoins, et lui, Butch, aurait été furieux de voir ça, et il aurait décidé de la tuer pour arrêter ce carnage. Sauf qu'il arrive un peu trop tard. Cette théorie avec sa sœur s'appuyait notamment sur le fait que sur le pyjama de Dawn, on a retrouvé de la poudre à canon, ce qui pourrait laisser penser qu'elle a tenu une arme. Ou bien c'est parce que le tireur était très proche d'elle, et qu'il y a eu un dépôt de poudre sur les vêtements au moment où il a tiré, ce qui est très fortement probable. Ou alors c'est parce que Dawn va chasser en pyjama. Mais ça me semble un petit peu moins logique. Il y a des personnes qui sont persuadées qu'il y avait au moins deux tireurs pour aller aussi vite dans cette tuerie. Et que c'est aussi pour ça qu'il y a personne qui s'est réveillé ou qui ne s'est enfui, puisque tout s'est passé au même moment. Après, c'est possible aussi que les enfants aient pris peur et qu'ils soient restés dans leur lit en pensant que c'était un cauchemar. On aura beau extrapoler, parfois le scénario le plus logique, le plus probable, c'est celui qui est le moins fou et le moins spectaculaire, mais c'est malgré tout la bonne réponse. On n'est pas toujours dans un thriller de Stephen King. Sinon, il faudrait tout le temps se méfier des clowns. Il y a eu beaucoup de changements donc dans les déclarations de Butch, et un an plus tard, au procès, sa défense, ça a été de jouer la carte de l'aliénation mentale pour tenter de ne pas se faire condamner. Il consommait de la drogue, il avait un trouble de la personnalité, mais malgré ça, on va le reconnaître coupable et l'envoyer en prison, et on n'acceptera aucune demande de remise en liberté conditionnelle qu'il va formuler par la suite, et il finira par mourir derrière les barreaux. Avec les déclarations de Butch, on va commencer à fantasmer sur cette maison. Mais ce qui va surtout mettre le feu aux poudres, vous me pardonnerez l'expression, c'est le fait que la famille Lutz, qui va habiter là-bas par la suite, va en partir en disant qu'il y avait des faits paranormaux qui s'y déroulaient. Et on avait George Lutz qui déclarait qu'il se réveillait régulièrement à 3h15 pile, ce qui serait l'heure à laquelle la famille a été massacrée, même si on n'a jamais su l'horaire avec précision. Ça suffit pour transformer cette affaire en un véritable business commercial, avec des livres, des films, on va tout dire, tout redire, tout réinventer autour d'Amityville, et plus on en parle, plus on va attirer du monde et des touristes de tout le pays. Ryan Reynolds va d'ailleurs jouer le rôle de George Lutz dans un des films sur Amityville. Ça doit lui changer de Deadpool. Le célèbre couple d'exorcistes Ed et Lorraine Warren
qu'on a popularisé dans les films Conjuring sont venus inspecter cette maison. Ils ont tenté de rentrer en contact avec les esprits, et pour eux, cette maison en est clairement infestée. Notamment parce que sous le terrain, il y aurait un cimetière amérindien, et il y aurait eu aussi des cérémonies sataniques et des sacrifices humains. Il ne faut pas les laisser expertiser ta maison, sinon tu la vendras plus jamais. Vas-y qu'il y a un fantôme dans les toilettes. Esprit, es-tu là ? C'est la deuxième fois que ça tombe dans une vidéo. Je vais croire que dans mon appartement, il y a quelque chose qui se passe. Et pile quand je parle de fantôme. C'est même pas fait exprès, hein. C'est pas un truc de montage, ça vient vraiment de se passer. La maison va être repeinte pour paraître moins inquiétante, et les voisins disent souvent que les deux fenêtres du dernier étage sont les yeux du diable. Ça doit pas aider à la vendre non plus, c'est certain. Alors qu'il y a un vrai potentiel dans cette maison, avec un grand jardin, 5 chambres, 4 salles de bain et un hangar à bateaux. Il y a de quoi se mettre bien. Après la tuerie, les Lutz vont acheter la propriété pour 80 000 $ environ, et dernièrement, elle a été achetée aux alentours de 800 000 $. Apparemment, il y aurait eu un arrangement entre les nouveaux propriétaires et les Lutz, qui ont un peu inventé ce délire paranormal, pour avoir une somme en dédommagement pour le dérangement qu'ils subissent en vivant dans cette maison. Parce que effectivement, encore maintenant, on a des gens qui viennent voir la maison pour se faire peur, et une fois pour Halloween, il y a un défi qui a été lancé par une radio du coin et qui invitait les gens à aller frapper à la porte en direct. Mais quand tu toques à leur porte pour Halloween, ils ne vont pas te donner des bonbons, mais des balles de fusil. Allez comprendre pourquoi. D'après les nouveaux habitants, il n'y a plus aucune trace de paranormal depuis qu'ils y habitent. La maison se trouvait au 112 Ocean Avenue, et pour tenter d'arrêter d'avoir des gens qui viennent régulièrement les voir, on a changé l'adresse. Le 112 a disparu et il a été remplacé par le 108. Moi je balance, j'en ai rien à faire, vous pouvez continuer à aller les faire chier si vous le voulez. Vu que Halloween approche, pensez à aller toquer à la porte. Avec tout le cirque médiatique autour de cette maison et du paranormal, cette affaire est devenue un véritable phénomène à part entière, et on oublie parfois qu'il y a eu 6 victimes, 6 innocents, qui ont été massacrés dans leur sommeil. Je plombe un peu l'ambiance, mais c'est bien de le rappeler. La preuve que je ne fais pas que de l'humour noir et que je sais être sérieux pour une fois. Un petit peu. On approche bientôt des 47 ans de la tuerie, mais vous l'aurez compris que dans la famille Defeo, il n'y a plus personne pour fêter cet anniversaire, c'est élémentaire.